Donc l'image est bonne. Non, le son il est là normalement. Et normalement, c'est pas ce que je voulais faire. La webcam. Et voilà. Donc, bienvenue pour ce deuxième TD d'électromagnétisme. D'électromagnétisme tout court. Donc normalement, j'ai changé les paramètres parce qu'il y a un paramètre dans YouTube qui permet de modifier la latence. Et là, j'avais la latence en normal. Donc c'est pour ça en fait que dès que je parlais, il y avait 15 secondes de latence entre le moment où je parlais et le moment où vous voyez que je parle. Donc là, la latence, j'ai ma tablette à côté. La latence, elle est de moins de 5 secondes. Donc on va pouvoir discuter un petit peu mieux, je pense. Ça ira mieux. Donc on n'a pas besoin de passer par Discord cette fois-là. Ok. Donc on va pouvoir commencer. J'ouvre Discord pour avoir les questions. Donc bienvenue sur ce deuxième TD d'électromagnétisme. Donc cette fois on va parler plutôt de la polarisation. Donc vous avez le TD sous les yeux normalement, je vous l'ai envoyé. Vous avez normalement travaillé le TD cette semaine. Juste petite précision pour les prochains TD. En fait ce que je vais faire, je pense qu'on va les faire le mercredi. Donc dès que je vais vous demander, ce sera choisir un jour dans la journée de mercredi. Enfin, un créneau horaire dans la journée de mercredi, parce que je vous avoue que je viens juste de finir les diapos, ça prend beaucoup de temps à les faire sur Beamer, je rédige ma thèse en même temps, donc ça prend pas mal de temps. Donc voilà, je peux pas faire plus tôt, si maintenant vous êtes tous disponibles un lundi, c'est du suicide pour moi. Donc on va plutôt faire ça les mercredis. Donc bon, on va pouvoir commencer la correction de ce TD2. Donc la polarisation, en fait, c'est un truc très important et c'est vraiment une des choses qui montrent que l'optique ondulatoire, c'est utile dans la vraie vie. Donc, on va parler notamment des lunettes 3D, du cinéma 3D. Et mon petit doigt me dit que vous êtes tous au point sur le cours, sur tout ce que vous avez eu comme diapo. Et donc, voilà. Donc, on va commencer. J'ai cliqué le mauvais truc. Donc, on va commencer par les bases. Une onde, qu'est-ce que c'est? Donc, on va commencer doucement, hein, il est 10 h du matin. On va y aller doucement. Donc, une onde, la définition simple d'une onde, c'est une déformation d'un milieu matériel ou non au cours du temps. Donc, par exemple, vous avez une corde de guitare. Donc, la corde, c'est un milieu matériel. Elle se propage suivant la corde de la guitare. Une vague, ça se propage dans un milieu matériel, l'eau. Le son, ça se propage dans un milieu matériel, l'air, et la lumière, ça se propage dans un milieu immatériel, le vide. Donc, ça se propage dans un milieu matériel ou non. Et ça se propage au cours du temps et dans l'espace. Donc, la caractéristique d'une onde, en fait, c'est qu'une onde possède une vitesse qui est fonction des paramètres du milieu. Donc, par exemple, pour une corde, c'est la tension de la corde, grosso modo, et la masse linéique, on appelle ça la masse linéique de la corde. Et pour le son, ça va être la masse molaire des atomes présentes dans l'air, grosso modo. Et pour la lumière, ça va être la constante diélectrique du vide et la constante de perméabilité magnétique du vide, pardon. Donc il y a deux directions qui sont associées à une onde. Il y a la direction de propagation et la direction de déformation. Donc vous prenez une corde, je regarde juste si je suis dans le cadre de la vidéo. Bon, il faudrait que je baisse un petit peu. Voilà. Donc en fait, vous êtes là avec votre guitare. Donc vous mettez une impulsion de haut en bas. Et si vous filmez avec une caméra ultra rapide, vous allez voir que l'onde va se propager le long de la corde. Donc l'impulsion, elle est suivant la hauteur, on va appeler ça Y, et la déformation se fait suivant X, suivant la corde. Pour une vague, c'est pareil. La vague évolue en hauteur, alors que la vague avance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas confondre direction de propagation et direction de déformation. Donc, on appelle ça
On appelle ça une onde transversale si les deux directions sont différentes. Donc pour une corde de guitare ou pour une vague, la vague elle avance, la déformation elle est perpendiculaire. C'est pareil pour une corde de guitare. Par contre pour le son, ça va être une onde qu'on appelle super onde transversale. Première coquille de la diapo, enfin première coquille de la correction, première diapo. Donc, c'est une onde longitudinale. Le dernier mot en rouge, c'est longitudinal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le son, ça se propage par contraction et rétractation de couches d'air successives. Donc, quand on parle, les couches d'air, elles oscillent comme ça, un petit peu comme un ressort, en fait. C'est vous prenez un ressort et puis vous avez les déformations qui se propagent comme ça. On appelle ça une onde transversale. Donc ça veut dire que la déformation, elle est dans le même sens que la direction de propagation. Donc du coup, mathématiquement, une onde, c'est une fonction de l'espace et du temps. Mais généralement, on peut l'écrire sous forme d'un vecteur. Et l'équation des ondes, c'est celle qui régit la propagation de cette onde dans un milieu donné. Donc la forme la plus générale, c'est l'équation d'Alembert. Vous avez dû la voir, je pense, en cours. Donc c'est le laplacien de f, c'est égal à 1 sur v carré d de f sur dt2. Donc ça lie une déformation spatiale à une déformation temporelle. Et le facteur de proportionnalité, c'est la vitesse de l'onde. Donc une solution de cette équation est une fonction périodique. Donc je dis une solution, c'est pas la solution, c'est une solution, c'est une fonction périodique sous de cette forme-là. Donc on a F0 qui est l'amplitude de l'onde. Donc si vous avez votre vague, en gros ça va être la hauteur de votre vague. Je vais juste cacher ma tête parce que ça me déconcentre. Donc F0 c'est l'amplitude de l'onde, c'est la hauteur de la vague si vous voulez. K, c'est le vecteur d'onde qui va donner en fait la direction de propagation. Donc si vous avez votre vague et qu'elle avance dans la direction Z, K va être dans la direction Z. Donc si la corde est posée sur l'axe des X, le vecteur d'onde, il sera suivant le vecteur X, tout simplement. Et en fait, le vecteur K, le vecteur d'onde K est relié à la longueur d'onde comme étant 2 pi sur lambda. Donc ça, normalement, c'est une définition, vous devez la connaître. Oméga, c'est la pulsation de l'onde. Donc grosso modo, c'est la fréquence par abus de langage. Et en fait, nu, la fréquence, c'est oméga sur 2 pi. En gros, c'est la fréquence angulaire, on appelle ça autrement. Le déphasage de l'onde, c'est phi. Parce que dans la vraie vie, en fait, on n'a pas toujours un cosinus, un sinus comme on veut. Donc c'est un cosinus plus un petit quelque chose, et ça, c'est compris dans le déphasage. Et en fait, UD, c'est le vecteur de déformation, on va appeler ça, pour l'instant. Donc pour la corde de tout à l'heure, qui est posée sur l'axe des X et la hauteur, c'est Y, UD, ce sera UY. Voilà. Donc ça, c'est... Tout ça, c'était pour dire ce que c'est l'expression mathématique d'une onde. Mais ça, c'est compliqué à manipuler mathématiquement. Donc si maintenant je vous dis qu'on somme deux ondes, ben, vous avez la somme d'un cosinus et d'un autre cosinus. Ok, vous ne savez pas s'il y a une fréquence apparente, s'il y a un couplage, si ça s'annule, etc. Et toi, c'est compliqué parce que il faut connaître les formules trigonométriques par cœur. Donc, qui sait simplifier cosinus A plus B ou cosinus A fois cosinus B? Je pense qu'il n'y a pas grand monde parmi vous qui connaissent ces formules par cœur. Même moi, parfois, il faut que je réfléchisse un peu. Donc, on va passer en notation complexe, parce que les complexes, ça va être beaucoup plus simple à manipuler. Parce que la somme, enfin, le produit de deux exponentielles, ben, c'est l'exponentielle de la somme. Simplement. Donc du coup, on va poser que notre onde, c'est une onde complexe, donc qui est donnée ici, comme étant f est égal à f0, donc on retrouve la même amplitude, exponentielle ikx moins oméga t plus phi, donc c'est le même argument qu'ici, UD. Et si on a envie de retrouver et de se placer dans l'espace réel,
Bah, il faut tout simplement prendre la partie réelle de cette onde. Donc si on prend la partie réelle, on a bien F0 cosinus Kx moins oméga t plus phi. Voilà. Donc dans ce TD, on va voir les caractéristiques d'une onde électromagnétique. Donc jusque-là, on a parlé d'ondes mécaniques plutôt. Donc maintenant, on va parler d'ondes électromagnétiques. Donc elle possède une direction de propagation qui est suivant le vecteur d'onde K et une direction d'excitation qui est suivant le vecteur de polarisation. Donc pour une onde électromagnétique, on ne parle pas de vecteur de déformation, enfin ce que j'ai utilisé, le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, on parle de vecteur de polarisation. Et généralement, on a le vecteur de polarisation qui est perpendiculaire à K. Donc ça, normalement, vous l'avez vu en cours, le champ électrique est toujours perpendiculaire à sa direction de propagation. Dans le vide, en tout cas. Et en fait, vectoriellement, une onde électromagnétique s'écrit de la même manière qu'on avait vu tout à l'heure. Donc c'est E0, une constante. Donc là, on peut la prendre comme étant réelle. Le vecteur de polarisation et l'exponentielle IKR moins oméga t plus phi. Et la vitesse de l'onde, donc du coup, c'est... Pardon. La vitesse de l'onde, du coup, c'est oméga sur K. C'est ce qu'on avait vu dans le TT précédent. Donc, il existe trois types de polarisation. Donc, si la polarisation se fait... Enfin, si la propagation se fait suivant l'axe des Z, donc si elle se propage suivant l'axe Z, tout simplement, sa polarisation peut être définie grâce au rapport EY sur EX. Donc vous avez votre onde qui se déplace dans le plan XY, parce que la propagation se fait suivant l'axe des Z, Z c'est le stylo, donc le champ électrique évolue dans ce plan-là, XY. Et en fait, si on calcule le rapport des composantes EY sur EX, on arrive à connaître la polarisation. Donc je sais pas si c'est comme ça que vous l'avez vu en cours, c'est comme ça que je l'avais vu à l'époque et ça m'a toujours bien aidé à m'en sortir et à bien comprendre. Donc il y a trois types de polarisation en gros. Il y a la polarisation linéaire, la polarisation elliptique ou circulaire et non polarisée. Donc une onde non polarisée en fait c'est cette relation là, on peut pas la mettre sous la forme K fois exponentielle I phi. On peut pas. Tout simplement parce que... C'est par exemple la lumière qui vient du soleil, elle est non polarisée, parce que les photons entre eux, ils évoluent d'une certaine manière, enfin voilà. C'est non polarisé. Il n'y a pas de relation qui permet d'écrire ça sous cette forme. Donc, la polarisation rectiligne, c'est EY sur EX qui est un réel. Donc on va avoir la partie phi ici, qui vaut 0, et ça c'est un réel, donc du coup, ça vaut 0. Donc ça vaut, ce terme-là vaut 1, si phi vaut 0. Et en fait, si on a EY sur EX qui est égal à une constante, c'est bien une droite, c'est l'équation d'une droite qui est EY égale KEX. Donc vous avez votre plan XY ici, où il y a le champ électrique qui va évoluer, le vecteur d'onde K. Et en fait, vous allez avoir votre champ électrique qui va évoluer dans ce plan-là de manière linéaire. Donc c'est ce qui est décrit dans cette équation-là. Et vous avez bien EY qui est égal à KEX dans ce plan-là. Donc ça, c'est une polarisation rectiligne. Donc pourquoi ça avance ? Ben, tout simplement parce que c'est la direction de propagation. Ça, c'est la direction de propagation. Et ça, c'est la direction de polarisation. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les prérequis, c'est les bases. On n'a pas encore commencé le TD ici. Donc ensuite, si le déphasage il est de pi sur 2, donc k est un réel et le déphasage vaut pi sur 2, plus ou moins pi sur 2, on va avoir une polarisation qui est circulaire. Donc c'est-à-dire en fait que l'onde, dans le plan là, elle décrit un cercle qui avance. Donc votre champ électrique, il fait une hélice en gros. C'est ce qu'on voit ici. Donc pour une polarisation circulaire, le signe du déphasage donne le sens de la polarisation. Parce que si vous êtes dans le plan XY, votre champ électrique peut tourner soit dans le sens horaire, pour vous, soit dans le sens trigonométrique.
Et en fait, le signe là va vous donner s'il est soit polarisé à gauche, soit polarisé à droite. Donc, comment on fait? Là, il y a un bug. Donc, en fait, elle est polarisée circulairement à gauche si vous avez un déphasage de plus pi sur 2. Si vous avez un déphasage de plus pi sur 2, en fait, vous regardez l'onde quand elle vient. Donc, à ce point-là, en fait, vous avez le vecteur z qui vient vers vous. Vous regardez dans quel sens tourne votre champ électrique. Donc là, il tourne dans la direction plus, en gros. Donc ça va être le sens trigonométrique. Et ça tourne dans le sens gauche. Donc ça, c'est polarisé circulairement à gauche. Et l'inverse, si vous avez une polarisation circulaire droite, vous regardez toujours l'onde qui vient vers vous. Le champ électrique tourne vers la droite dans le sens horaire et c'est une polarisation circulaire droite. Donc voilà. Donc le seul truc à retenir, c'est qu'il y a deux types de polar... enfin, en gros, deux types de polarisation, la polarisation circulaire et la polarisation rectiligne. Donc si la polarisation n'est pas parfaitement circulaire, on parle de polarisation elliptique. Donc et voilà, donc ça c'est une onde électromagnétique qui n'est pas polarisée si le rapport EY sur EX ne peut pas se mettre sous la forme K exponentielle IFI. Donc, on va commencer donc le TD numéro 2. Donc la question numéro 1, en fait, ça va être sur un polariseur. Donc un polariseur, c'est quoi? C'est un filtre optique qui va ne laisser passer que la composante du champ électrique collinaire à son axe, noté UP. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros, vous avez... comment expliquer ça simplement? Vous avez par exemple un tuyau, une canalisation. Au bout de cette canalisation, vous avez un filtre qui est composé de grilles comme ça. Ben, les déchets qui sont dans l'eau, qui vont arriver perpendiculairement à cette grille-là, vont être bloqués par les trous. Par contre, les déchets qui sont dans l'eau et qui circulent comme ça vont pouvoir passer. En gros, c'est la même chose qui va se passer ici, mais vraiment en gros. Donc c'est un filtre optique qui va avoir un vecteur ou un axe de polarisation qu'on note aussi UP. Et voilà, donc il va laisser passer le champ électrique qui est collinéaire à cet axe-là. Donc par exemple, si l'axe du polariseur est suivant X, alors seulement la composante EX va passer à travers ce polariseur. Donc jusque-là, ça va être assez simple. Et aussi, si une onde est non polarisée de base, donc si vous vous rappelez, si le vecteur de polarisation est totalement aléatoire à la base, s'il traverse un polariseur, il va être polarisé suivant l'axe du polariseur. Donc si votre axe du polariseur il est suivant l'axe des X, vous avez une onde qui est non polarisée, le polariseur, et là vous avez une onde qui est polarisée suivant l'axe des X, rectilignement. Donc ainsi, pour une onde E0 passant à travers le polariseur P1, sortira suivant donc E1. Comment est-ce qu'on va l'écrire? E1, c'est le champ électrique qui sort du polariseur. Donc déjà, on sait que le champ électrique qui sort du polariseur sera suivant l'axe du polariseur. Donc on sait qu'il sera suivant UP1. Mais on sait aussi qu'il va seulement laisser passer la composante du champ électrique initial qui est collinéaire à cet axe-là. Donc, mathématiquement, ça s'écrit comment? C'est le produit scalaire entre E0 et UP1. Donc en gros, c'est ni plus ni moins que la projection suivant un axe. Donc si maintenant vous êtes en dynamique, ou oui, en dynamique, c'est-à-dire avec les équations de Newton, tout ça, si vous voulez calculer la composante, je sais pas, du poids suivant l'axe des Z, ben là vous avez le poids égal... Donc entre parenthèses, ça, on sait que ça va être suivant l'axe des z, et ce qui est ici, ça va être la composante suivant z, donc ça va être le poids scalaire ez. Donc c'est ni plus ni moins qu'une projection.
Et on va noter cette quantité-là, E01. Donc, maintenant on envoie l'onde de sortie. Donc, on envoie notre onde qui est non polarisée dans le polariseur P1. À la sortie de ce polariseur P1, on obtient l'onde E1, qui est écrite sous cette formule-là et qu'on a calculée dans la diapo précédente. Maintenant, cette onde E1, on la fait passer à travers un polariseur P2, et on va noter θ, l'angle entre l'axe des deux polariseurs. Donc vous avez par exemple un premier polariseur qui est suivant l'axe des y, et là vous avez le deuxième polariseur qui a un certain angle, juste après. Donc, que devient le champ en sortie? Donc E2, qu'est-ce qu'il vaut? Donc déjà, on sait qu'il va être suivant l'axe du polariseur 2, par définition de ce que fait un polariseur. Et à l'intérieur, c'est quoi? Bah, ça va être la projection de ce champ électrique sur cet axe du polariseur. Donc ça va être E1 scalaire UP2. Donc c'est le champ électrique qui rentre dans le polariseur, projeté sur l'axe du polariseur. Or, on va utiliser l'expression qu'on a ici de E1, qu'on va injecter ici. Donc E01 UP1, scalaire UP2, porté par le vecteur UP2. Or, UP1 et UP2, c'est des vecteurs unitaires, dont l'angle entre les deux, c'est θ. Le produit scalaire, c'est le cosinus θ. Donc vous allez avoir E1 cos θ UP2. Et donc l'amplitude transmise est donc E20 égale, donc c'est ça, l'amplitude du champ transmis, c'est E01 cos θ. Voilà. Donc ça, c'est le champ électrique à la sortie du polariseur 2. Donc je rappelle simplement ce qu'on avait fait. Une onde non polarisée, il passe à travers le vecteur, le polariseur 1, on obtient le champ E1. Ce champ E1 passe à travers un polariseur 2, et on obtient un champ E2. Et ce champ E2, l'amplitude de ce champ E2, c'est l'amplitude du champ 1, modulé par le cosinus θ. Donc, on avait bien cette équation-là. On nous demande maintenant de calculer l'intensité de l'onde transmise. Donc l'intensité, rappelez-vous qu'une onde électromagnétique, en gros, c'est de la lumière. Donc vous allez voir ça en TP, si TP est l'IA, parce que d'après Jean-Michel Blanquer, soit la rentrée se fait en mai, soit la rentrée se fera en septembre, et dans ce cas, vous ne ferez pas de TP, c'est super. Donc vous verrez ça en TP. On envoie en fait un laser dans un polariseur, ensuite dans un deuxième polariseur, et on calcule l'intensité du laser en sortie. On le mesure plutôt. Donc l'intensité, c'est grosso modo E scalaire E étoile. E étoile, c'est le complexe conjugué, en notation complexe. Il faut que j'arrête de montrer mon écran, parce que vous voyez pas ce que je montre sur l'écran, il faut que je bouge la souris. Et donc du coup, l'intensité transmise, ça va être E2 scalaire E2 étoile. Donc E2, c'est ce qu'on a calculé ici. Donc cette partie-là, donc ça va être ça fois ça étoile. Et vous aurez juste E01 fois E01 étoile fois cosinus carré θ, qui est donc E1 carré cosinus carré θ. Et ça, c'est la loi de Malus, en fait. Donc cette relation-là, elle est à connaître, par cœur. Donc la loi de Malus, c'est l'intensité transmise si vous avez une onde qui sort d'un polariseur, si vous l'entrez dans un autre polariseur, l'intensité qui va être transmise, c'est proportionnel au cosinus carré θ. Donc si vous avez vos deux polariseurs, donc le premier polariseur P1, le deuxième polariseur P2, si les deux sont alignés, vous voyez que vous allez retrouver la même intensité lumineuse. Tout simplement parce que si les deux sont alignés, ça va passer nickel chrome et vous allez avoir la même intensité lumineuse en sortie. Si vous commencez
à modifier l'angle d'inclinaison de votre polariseur P2, vous allez commencer à diminuer votre intensité jusqu'à un certain point où les deux sont perpendiculaires entre eux, les deux polariseurs sont perpendiculaires. Et dans ce cas-là, vous avez cosinus carré θ qui vaut 0 et l'intensité de l'onde transmise vaut 0. Vous avez une extinction. Donc ça, vous verrez aussi en TP, si vous prenez un laser, vous l'envoyez dans un polariseur, vous envoyez dans un deuxième polariseur. Si vous mettez les deux polariseurs à 90 degrés l'un de l'autre, aucune lumière va passer. Le laser ne passe pas. Donc ça, c'était la question A. Donc la question B, maintenant, ça va se corser un petit peu, c'est les lampes birefringentes. Donc on va faire un petit aparté et faire des bases sur ce que c'est un milieu birefringent. Donc une lame ou un cristal, c'est un milieu anisotrope, c'est-à-dire que les directions ne sont pas équivalentes. Donc on peut dire en somme que nous, on se déplace dans un milieu qui est anisotrope. Vous pouvez vous déplacer dans la direction x, y comme vous voulez, de la même façon x et y, c'est des directions isotropes. Par contre, vous ne pouvez pas vous envoler dans l'air. Voilà. Si vous voulez vous déplacer vers le haut, il faut fournir un effort supplémentaire par une échelle ou par une corde, par une chaise, je ne sais pas quoi. Il va falloir fournir un effort supplémentaire. Donc c'est la direction z, donc la hauteur, pour nous, à notre échelle, c'est un axe anisotrope. Donc il ne nous permet pas d'évoluer suivant cet axe-là, comme suivant les autres axes x, y. Donc pour un cristal, c'est pareil, les directions ne sont pas équivalentes. Et pour une lame birefringente, en fait, il y a deux axes qui sont perpendiculaires entre eux, qu'on va noter x et y, qui sont perpendiculaires à la direction de propagation z, et qui sont des axes de propagation privilégiés. Donc chaque composante du champ électrique va alors avoir son propre mode de propagation. Cela permet en fait de changer la polarisation de l'onde. Donc l'onde suivant la composante X, donc la direction de propagation, le plan où se trouve le champ électrique, votre champ électrique suivant la direction X va avoir un mode de propagation bien à lui, qui va se propager suivant la vitesse Vx, et qui sera égal à C divisé par Nx. N, c'est l'indice du milieu dans la direction X. Donc c'est vraiment un milieu anisotrope, là. L'indice optique du milieu dépend de la direction. Et le champ suivant la direction Y, lui, il va avoir une vitesse Vy qui est C sur Ny. Et le vecteur d'onde de chaque composant doit donc être du coup pondéré d'un point qui est en fait l'indice optique. Donc, le vecteur d'onde dans la direction x, ça va être le vecteur d'onde dans le vide fois nx, qui est égal à oméga nx sur c. Donc, c'est un schéma, prenez pas ça pour une réalité absolue, c'est vraiment pour vous expliquer ce qui se passe. Donc, imaginez, vous avez une onde polarisée rectilignement. Donc, le vecteur x, enfin le vecteur k, qui est suivant z. Et ici, en fait, vous avez votre champ électrique qui est dans ce plan-là, et qui est comme ça. Donc, en fait, vous avez la composante Ex et la composante Ey qui varient de la même manière, c'est une polarisation rectiligne. À l'intérieur du cristal, donc c'est la partie noire, à l'intérieur du cristal, en fait, la composante Ex va varier plus lentement que la composante Y. Donc tout simplement parce que l'indice optique suivant l'axe des X est différent de l'axe optique suivant l'axe des Y. Donc qu'est-ce que ça change? Vous voyez qu'à l'entrée de notre métal, là, vous aviez les champs qui étaient similaires, il n'y avait pas de déphasage entre les deux, vous aviez une polarisation rectiligne. Et en sortie, en fait, ici, vous allez avoir la composante EX qui va être minimale, et ici, vous allez avoir la composante EY qui va valoir 0. En fait, le passage de notre onde dans ce milieu birefringent va engendrer un déphasage de pi sur 2 entre les deux composantes.
Et à la sortie, en fait, on retrouve la même périodicité qu'au début, parce qu'on se retrouve dans le même milieu, qui est un milieu isotrope pour la lumière. Donc, petite parenthèse, avant j'ai dit que à notre échelle, pour nous, l'espace environnant est un milieu anisotrope. C'était juste pour vous donner une image. Pour la lumière, il n'y a pas de gravité qui rentre en jeu, etc. Le vide, ou l'air, si vous voulez, c'est un milieu isotrope pour la lumière. Donc, on retourne à notre exercice. Donc, l'air, c'est un milieu isotrope. Donc, en entrée et en sortie, vous allez avoir la même vitesse de propagation. Donc, la périodicité ici, ça va être la même, et ici, ça va être la même. C'est juste, ils vont repartir du point dans lequel ils étaient partis, ils ont quitté le cristal, en fait. Donc celui-là, il quitte le cristal en zéro, donc il va ressortir du cristal en zéro et il va continuer sa vie comme il l'avait fait au début. Lui, il termine sa course alors qu'il est au champ minimum, donc il reprend sa course normalement et puis etc. Sauf que ici, vous allez avoir un déphasage de pi sur 2. Ici, vous avez une polarisation qui est rectiligne. Ici, vous avez une polarisation qui est circulaire. Donc, en fait, une lame ou un cristal birefringent, enfin voilà, ça permet de changer la polarisation de l'onde. Donc, on va voir tout de suite comment est-ce qu'on va pouvoir jouer sur les paramètres du cristal pour choisir une polarisation en particulier. Donc là, je vous ai montré l'exemple d'une lame qu'on appelle une lame quart d'onde, qui modifie une polarisation rectiligne en une polarisation circulaire. Donc, on nous demande, c'est la question B petit 1. Donc, montrer que l'onde sortant de E2. Ah non, je me suis trompé là. C'est la question B. Zut, j'ai sauté une question, pardon. Ok. Donc il faut calculer que ça marche. Donc l'onde qui arrive sur la lame, donc c'est E1, qui sort du polariseur P1, donc qui est donnée suivant cette relation-là, c'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure. Elle arrive sur notre lame. Donc sachant que P1 est incliné à 45 degrés par rapport à la lame. Donc l'angle entre le vecteur UX et UY de notre lame va être de 45 degrés. Donc le polariseur, il est à 45 degrés par rapport à X et Y. Donc les composantes à l'entrée de notre cristal, ça va être EX, qui va être E1 scalaire UX, qui vaut E01 UP1 scalaire UX. Donc ça c'est par définition, hein, c'est la composante UX, c'est le produit scalaire de E1 suivant le vecteur UX. Je vous apprends rien. E1 on le connaît, on l'injecte ici. On fait le produit scalaire et en fait à 45 degrés c'est 2 sur racine de 2. Voilà, le cosinus de 45 degrés, c'est cosinus de pi sur 4, c'est 2 racine de 2. Enfin racine de 2 sur 2. Ou 1 sur racine de 2. Suivant UY, vous avez exactement la même chose. Et vous obtenez donc le champ électrique E1, qui, à la sortie du polariseur, projeté sur les axes du cristal, s'écrit sous cette forme-là. Donc bon, je pense que ça va jusque-là. Il n'y a pas de questions sur le chat. Super. Donc, l'onde qui sort du polariseur est donc donnée par cette équation-là. E01 sur racine de 2, UX, UY. L'onde arrivant sur le cristal en Z égale à 0 est donc égale à ça. Donc, là, on peut encore le mettre en facteur. Donc, juste pour rappel, s'il y a une barre là en dessous, ça veut dire que c'est une valeur complexe. À l'intérieur, on a mis encore l'exponentielle. Une fois qu'on ressort l'exponentielle, ici c'est juste l'amplitude réelle. Donc ici c'était l'amplitude complexe, ici, là c'est l'amplitude réelle. Donc il y a juste l'exponentielle.
qu'on a distribuée sur les axes. Donc pourquoi est-ce qu'on distribue la propagation sur les axes? Ben, tout simplement parce que dans le cristal, ça va changer. À l'entrée du cristal, ça ne change pas. Donc à l'entrée du cristal, on a encore bien cette relation-là. Mais à la sortie du cristal, en fait, ce qu'on va voir, c'est que le vecteur E1 à la sortie du cristal, donc cette partie-là ne change pas. Mais suivant l'axe des x, le vecteur K0, Z va se transformer en K0, enfin le vecteur d'onde K0 va se transformer en vecteur d'onde K0 NX. Z, ça devient E, moins oméga T. La partie temporelle ne change pas. Donc c'est aussi la particularité d'une lame birefringente, elle ne change pas la fréquence de l'onde. Elle va changer la longueur d'onde, etc. Enfin, le déphasage, le vecteur d'onde, mais elle ne change pas la fréquence. C'est pas un milieu actif. Vous allez avoir la même chose suivant EY. Donc vous avez cette équation-là que vous allez mettre suivant dans le cristal suivant l'axe EY. Vous allez avoir un K0 NY E moins oméga T UY. Donc votre onde, elle s'est mise sous cette forme-là. Donc ça a l'air un petit peu compliqué comme ça. Mais il y a un déphasage, mais on voit qu'il y a un déphasage entre les deux composantes. À l'entrée, il n'y avait pas de déphasage. Vous aviez la même chose suivant X et Y. Ici, il y a clairement un déphasage. Vous savez que NX est différent de NY, donc il y a un déphasage entre les deux. Comment est-ce qu'on va le calculer? Ben, la même façon qu'on avait fait tout à l'heure. Vous allez calculer EY sur EX. Donc, vous prenez toute cette composante-là suivant X, vous la mettez là. Toute cette composante-là, avec la constante qui va devant, suivant EY, les constantes se simplifient et il ne reste plus que les exponentielles. Donc, ce qui est bien avec les notations exponentielles, c'est que ici, vous allez pouvoir faire la soustraction des arguments. La soustraction des arguments, c'est IK0 NY moins NX E. Donc, confondez pas le E droit, qui est l'exponentielle, et le E un petit peu italique, qui est l'épaisseur de notre lame birefringente. Et en fait, ça va ajouter un déphasage exponentiel I delta phi, qu'on définit comme ça. Et en fait, on veut que notre déphasage entre les deux composantes soit de plus ou moins pi sur 2, donc pour avoir une onde polarisée circulairement en sortie. Donc il faut donc vérifier si delta phi égale plus ou moins pi sur 2, il faut que ny égale nx plus pi divisé par 2k0e. Donc en gros, vous remplacez ici par pi sur 2, plus ou moins pi sur 2, et vous égalisez les deux arguments et vous trouvez cette équation-là. Et en fait, ça va nous dire si vous avez un cristal défini avec un indice optique suivant l'axe des x et un indice optique suivant l'axe des y bien défini, vous allez le tailler à une épaisseur donnée afin de vérifier ça. Donc voilà, donc c'était un petit peu barbare. Je reprends juste un petit peu la philosophie. Donc vous avez votre onde initiale qui est suivant l'axe des x et l'axe des y. Si vous voulez calculer le champ électrique à la sortie d'un milieu qui est anisotrope, ce que je vous conseille de faire, c'est de réécrire l'équation du champ total et en séparant toutes les composantes. Même si ici ça sert à rien d'écrire ça parce que c'est un milieu. Là on est encore dans l'air, donc c'est un milieu qui est isotrope, donc ça sert à rien d'écrire ça parce qu'on a la même chose sur les deux composantes. Mais au moins, ça vous permet déjà, dès que vous passez dans le milieu, de juste rajouter les indices optiques du milieu, enfin de l'axe en question. Donc, suivant l'axe X, vous allez juste ajouter l'indice optique suivant X. Et la même chose pour Y. Vous allez rajouter l'indice optique suivant Y. Ensuite, une fois que vous avez cette relation un petit peu compliquée, ce qui vous importe en fait, c'est juste le déphasage, et le déphasage, vous l'obtenez en prenant la fraction entre les deux, qui est exponentielle i delta phi.
Donc exponentielle i delta phi, ici pour l'instant on ne sait pas ce que ça vaut. Mais ce qu'on veut, ce qu'on nous demande, c'est qu'on veut avoir une polarisation circulaire. Par définition, une polarisation circulaire, c'est quand le déphasage entre EY et EX, c'est exponentielle i pi sur 2, ou moins i pi sur 2. Et donc on résout cette équation-là pour delta phi égale i pi sur 2. Et on obtient cette relation-là. Et donc, ça peut encore s'écrire sous cette forme-là si on remplace K0 par sa valeur qui est égale à oméga sur C. Donc K0, c'est oméga sur C. Donc, maintenant, vérifions que l'onde en sortie décrit bien un cercle. Donc, pour ça, en fait, il va falloir repasser en notation réelle. Donc on a bien delta phi égale plus ou moins pi sur 2, c'est-à-dire que ny c'est égal à nx plus ou moins pi divisé par 2 k0e. Le champ électrique suivant la composante ex du champ électrique en notation complexe, c'est ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est ce qu'on a écrit avant, moins oméga t. Et là, donc du coup, la composante réelle, ça va être la partie réelle de tout ça. Ça va juste faire descendre un cosinus. Ouais, ça va juste faire apparaître un cosinus. Donc vous avez cosinus K0 nx e moins oméga t. Pour le vecteur EY, vous allez avoir la même chose. Donc vous partez de la notation complexe qu'on avait écrite tout à l'heure. Vous prenez la partie réelle, vous allez avoir un cosinus, tout simplement. Mais vous savez que ny est lié à nx par cette relation-là. Donc vous allez avoir un k0 nxe moins oméga t plus ou moins pi sur 2. Donc ça, c'est juste en remplaçant ny par cette relation-là, vous obtenez ça. Donc vous avez votre champ électrique réel, donc ça c'est les composantes réelles de votre champ électrique suivant EX et EY à la sortie de votre lame birefringente. Donc ce qu'on veut savoir maintenant c'est est-ce que ça décrit l'équation d'un cercle? Donc pour connaître si on a l'équation d'un cercle, il faut prendre la composante suivant X plus la composante suivant Y, donc les carrés des deux, et ça va être R carré. Donc ça c'est l'équation d'un cercle. Vous prenez ça au carré plus ça au carré et vous avez une constante. Est-ce que c'est le cas? La composante suivant x, c'est relativement simple à calculer, on la laisse telle quelle. La composante suivant y, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, on va utiliser la formule cosinus a plus cosinus b est égal à cosinus a fois cosinus b moins sinus a sinus b, d'où cosinus de a plus ou moins pi sur 2, c'est moins plus sinus a. Donc en fait, ce cosinus carré, ça va se transformer en un sinus carré de K0 nxe moins oméga t. C'est ce qu'on a ici. Donc ça, c'est des formules de trigonométrie hein, qui nous ont permis de passer de là à là. Et là, vous avez la somme d'un cosinus et d'un sinus au carré avec un même argument. Tout ça vaut 1. Et vous obtenez donc une constante. Donc vous avez EX carré plus EY carré qui vaut bien une constante. Vous avez démontré que votre onde à la sortie décrit bien l'équation d'un cercle au cours du temps. Donc, résumons. Une lame quart d'onde ou lame lambda sur 4, c'est un cristal birefringent qui permet de transformer une onde électromagnétique polarisée rectilignement en une onde électromagnétique polarisée circulairement. Donc, pour rappel, on avait fait passer une onde non polarisée dans un polariseur P1 qui était polarisé à 45 degrés par rapport à l'axe de notre lame. Et à la sortie, notre onde était polarisée circulairement. Et en fait, cette transformation, entre guillemets, se fait grâce à l'ajout d'un déphasage entre les deux composantes du champ électrique incident. Et ce déphasage doit valoir pi sur 2, ou plus ou moins pi sur 2. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de quart d'onde? Parce qu'il faut vérifier tout simplement la relation. Vous vous rappelez de cette relation-là?
Bah, si vous remplacez K0 par sa valeur 2π sur lambda, vous obtenez un lambda sur 4 ici. Donc en gros, si on veut avoir. Il faut que. Voilà. D'où vient le lambda sur 4 ou quart d'onde? C'est, ça vient de là. Donc, question C. Donc je lis juste la question. Ok. Donc maintenant, on essaie de se dire, bah maintenant, si on envoie une onde polarisée rectilignement à droite, donc c'est-à-dire que EY1 sur EX1, c'est exponentielle de moins IPI sur 2, si on envoie une onde polarisée circulairement sur notre lame, qu'est-ce qui va se passer? Donc imaginez, vous avez une onde non polarisée, vous la faites passer dans un premier polariseur. Ce polariseur, il est à 45 degrés avec une lame birefringente. Cette lame va transformer votre onde en onde polarisée circulairement. Si cette onde-là polarisée circulairement, vous la faites nouveau passer dans une lame birefringente, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va noter E1 comme le champ électrique comme étant l'onde polarisée circulairement qui va rentrer dans la deuxième lame birefringente. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, à l'entrée de la lame, ce qu'on va avoir, donc c'est le même calcul que tout à l'heure. Vous avez votre champ électrique avec la composante suivant x qui a cette forme-là et la composante suivant y qui a cette forme-là. Donc, c'est le même argument, mais on va rajouter le déphasage de moins pi sur 2, vu qu'on a une polarisation circulaire droite. Vous avez moins pi sur 2 qui va s'ajouter sur la composante y. Donc, à la sortie de la lame, vous aviez donc ça. Oui, pardon. Donc, à l'entrée de la lame, vous avez ça. Vous avez toujours le K0 sur X et Y. À la sortie de la lame, vous n'aurez plus avoir le K0. Vous allez avoir K0NX et K0NY. Donc, il faut se rappeler que NY, c'est NX plus ou moins pi sur 2KE0. Donc, vous allez pouvoir réexprimer NY en termes de NX, et vous allez pouvoir remettre tout ça en facteur, et vous allez avoir juste UX ici, vous mettez ce terme-là en facteur, et vous allez avoir plus exponentielle i plus ou moins pi sur 2, moins pi sur 2 UY. Et votre onde à la sortie, c'est donc quelque chose qui se met sous cette forme-là, UX plus ou moins UY. Il n'y a nouveau plus de déphasage entre UX et UY, à la seule condition, enfin à la seule différence qui sont inversées, suivant le signe. Donc, si vous avez une onde polarisée circulairement qui rentre dans une lame birefringente, en sortie, vous allez récupérer une onde polarisée rectilignement. Donc, si la lame quart d'onde est à moins pi sur 2, donc c'est-à-dire que le moins, plus ou moins qu'on avait tout à l'heure, si c'est moins pi sur 2, le champ électrique à la sortie, ça va être donc moins pi sur 2, moins pi sur 2, ça va être moins pi. L'exponentielle de i pi, c'est moins 1. Vous allez juste avoir un signe moins. Et donc le déphasage entre les deux, ça va être donc EY divisé par EX, ça va être moins 1. Si là vous avez votre plan. C'est comme ça que va être votre champ électrique à la sortie. Il va être polarisé rectilignement à moins 45 degrés. Et ici, c'est le champ électrique qu'on avait en entrée tout à l'heure, UX plus UY. Donc il était à plus 45 degrés. Et là, c'est à la sortie de la lame. Donc on va pouvoir faire une mise à jour de ce que ça fait une lame birefringente. Donc ça, on l'avait vu tout à l'heure. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Une onde électromagnétique polarisée circulairement à droite est transformée en une onde électromagnétique polarisée circulairement à moins rectilignement, pardon, à moins 45 degrés. Et l'inverse est aussi vrai. Une onde électromagnétique polarisée circulairement à gauche sera à plus 45 à la sortie. Donc, est-ce que c'est logique d'avoir ça? Bah oui, c'est tout à fait logique parce que
C'est la loi, je sais plus comment ça s'appelle, c'est retour inverse de la lumière ou une connerie du genre. Donc en gros, si vous envoyez de la lumière à travers, enfin qui va, si la lumière suit un passage pour l'aller, il va suivre le même passage pour le retour. Donc en gros, c'est exactement pareil. Si vous avez une onde polarisée, là vous avez votre cristal, vous avez une onde polarisée rectilignement qui va rentrer, ça va sortir en polarisation circulaire. Si vous envoyez une polarisation circulaire, ça va ressortir rectilignement. Y a pas de, y a, ça aurait été surprenant que ça sorte avec une autre polarisation. Polarisation triangulaire ou je sais pas quoi. Ça n'existe pas la polarisation triangulaire, pardon. Vous affolez pas. Donc, ouais, je sais, on fait avec les moyens du bord, hein, écoutez. Donc vous avez votre lame. Si vous avez une polarisation rectiligne qui rentre, vous avez une polarisation circulaire qui va sortir. Si vous avez une polarisation circulaire qui rentre, vous avez une polarisation rectiligne qui va sortir. Et tout simplement, ça, c'est dû au fait que le déphasage entre une polarisation rectiligne et une polarisation circulaire, c'est plus ou moins pi sur 2. Et c'est ce que fait une onde, une lame quart d'onde. C'est qu'elle rajoute un déphasage de pi sur 2. Donc, à la sortie de la lame quart d'onde, notre onde est polarisée circulairement à droite et transformée en une onde rectiligne à moins 45 degrés. Donc, si on ajoute maintenant un polariseur à plus 45 degrés à la sortie de la lame quart d'onde, vous allez éteindre votre signal. Donc, c'est la loi de Malus, car la polarisation de l'onde est perpendiculaire à l'axe du polariseur. Donc votre onde polarisée circulairement à droite, je fais beaucoup de dessins, mais au moins vous comprenez. Votre onde polarisée circulairement à droite rentre dans votre lame birefringente, elle va ressortir en polarisation rectiligne à moins 45 degrés. Si vous mettez un polariseur à plus 45 degrés, les deux sont perpendiculaires entre eux, le champ électrique à la sortie va être nul. Et avec initialement une onde électromagnétique polarisée circulairement à gauche, le déphasage initial sera de plus pi sur 2. Et l'onde de sortie, donc, c'est ce qu'on avait écrit ici. Donc si de base vous avez une polarisation circulaire gauche, vous allez avoir plus pi sur 2. Donc ça va être plus pi sur 2 moins pi sur 2, ça va être exponentielle I0. Exponentielle I0, c'est 1. Vous allez avoir Ux plus Uy. Vous allez avoir une polarisation rectiligne à plus 45 degrés à ce moment-là. Donc polarisation circulaire droite, lame birefringente, polarisation rectiligne à moins 45 degrés. Polarisation circulaire gauche, lame birefringente, polarisation rectiligne à plus 45 degrés. Donc ça peut être un petit peu barbant, on va se dire, mais à quoi ça sert de polariser une onde? Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Bah, ça va être utile pour le cinéma 3D. Donc, on filme la même scène pour le cinéma 3D, on filme la même scène avec deux caméras différentes, espacées d'environ 6 cm. Donc ça, c'est la scène, vous avez une montagne, par exemple, et vous la filmez avec deux caméras différentes. Et en fait, c'est le fait de voir avec nos deux yeux qui fait qu'on voit les 3D. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, vous êtes confiné chez vous, j'espère que vous avez quelqu'un avec vous. Vous fermez les yeux. Vous vous mettez au niveau de la table, comme ça. Vous demandez à quelqu'un de poser deux objets sur cette table. Et ils sont un petit peu espacés. Donc, espacés un petit peu comme ça, par exemple. Le stylo rouge est plus près que le stylo bleu. Il les pose sur la table, vous avez toujours les yeux fermés. Et après, vous ouvrez juste un œil. Vous ne pourrez pas dire lequel est le plus proche. Sauf par analyse avec les ombres, tout ça, tout ça. Mais de prime abord, vous ne pouvez pas dire lequel est le plus proche. Vous avez besoin des deux yeux par triangulation, je pense que vous avez déjà entendu ça. Il faut avoir deux lignes de visée pour pouvoir définir la distance, pour avoir une notion de distance. Donc, ce qu'on faisait à l'époque, en fait, pour les premiers cinémas 3D, ce qu'on faisait, c'est on utilisait des filtres. Donc, on utilisait deux caméras, et au moment de projeter, on projetait les deux images. L'image qui était destinée au verre gauche était projetée en rouge, l'image destinée pour l'œil droit était projetée en vert.
Et on portait des lunettes de couleur avec ici un filtre rouge, ici un filtre vert. Donc on voyait juste l'image rouge, l'image verte, et on pouvait en fait voir en 3D. Le problème, c'est que le film était un petit peu moche parce qu'on n'avait pas beaucoup de jeux sur le. On n'avait pas beaucoup de. Ouais, on n'avait pas beaucoup de jeux en fait sur les teintes et le film était moche. Donc, comment est-ce qu'ils font maintenant? En fait, on utilise la polarisation. Donc, on va projeter sur notre écran de cinéma. Ça, c'est un écran de cinéma. L'image de la caméra gauche a une polarisation circulaire gauche. Et l'image de droite a une polarisation circulaire droite. Donc, les deux images sont projetées simultanément sur le même écran dans la même salle de cinéma. Donc, ça, c'est les ondes qui sont projetées, avec l'image de gauche qui est projetée circulairement à droite, l'image de droite qui est polarisée circulairement à droite. Ici, vous avez la même chose, donc polarisation circulaire gauche pour l'image de gauche, donc l'image rouge, et polarisation circulaire droite pour l'image de droite, l'image bleue. Ici, vous avez les verres de vos lunettes. Donc ça c'est le vert de gauche, ça c'est le vert de droite. Et en fait chaque vert est composé d'une lame quart d'onde qui est identique pour les deux verts et un polariseur qui est à moins 45 degrés pour le vert droit et à plus 45 degrés pour le vert gauche. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise cette construction-là? Bah, tout simplement, la lame lambda sur 4, qu'est-ce qu'elle va faire? Pardon. La lame lambda sur 4 va transformer la polarisation circulaire gauche en une polarisation rectiligne à plus 45 degrés. Donc on va avoir une polarisation rectiligne à plus 45 degrés à la sortie de la lame lambda sur 4. La polarisation, donc l'image de droite qui est polarisée circulairement à gauche, elle va avoir une polarisation à moins 45 degrés pour les deux verres. Donc ça c'est bien l'axe X, ça c'est l'axe Y. X, Y. Donc le polariseur en fait, pour le vert droit, le polariseur il va laisser passer juste l'information à moins 45 degrés. L'information à moins 45 degrés c'est l'image de droite, donc l'image bleue. Ça va juste laisser passer l'image bleue. Et le polariseur à plus 45 degrés va juste laisser passer la polarisation à 45 degrés. Ça va être l'image de gauche. Donc le vert de gauche va juste voir l'image gauche et le vert de droite juste l'image droite. Et en fait, c'est comme ça qu'après notre cerveau il va pouvoir reconstruire tout ça. Parce que le vert de gauche, il va juste voir l'image gauche et le vert de droite juste l'image droite. Et en fait, on peut mettre plusieurs couleurs là-dessus. Bon, il y a des limites dans les teintes, mais on peut mettre plusieurs couleurs là-dessus et on est beaucoup plus libre. Après, maintenant, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on se fatigue à mettre une lame quart d'onde? On pourrait juste mettre un polariseur, enfin deux jeux de polariseur, comme on avait vu tout à l'heure, ou juste un polariseur, et polariser directement le film comme ça. On polarise le film comme ça, et on n'a pas besoin d'utiliser les lames lambda sur 4. On polarise le film avec une polarisation circulaire à plus 45 et une polarisation circulaire à moins 45, et on a juste besoin qu'il y ait un polariseur à plus 45 et un polariseur à moins 45 dans nos verres sans avoir besoin de lame lambda sur 4. On pourrait se dire ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que si on fait ça, il faut garder la tête parfaitement droite pendant tout le film. Le film Avatar, il a duré 2h30. Essayez de garder la tête parfaitement droite pendant 2h30. J'avais mis une image un petit peu, c'était un mème où on voyait le gars qui avait les yeux comme ça. Mais c'était un petit peu de mauvais goût, donc je ne l'ai pas mis. Et puis avec le logo de l'Université de Lorraine, ça passe pas très bien de mettre ça sur YouTube. Donc voilà. Donc on a fini ce deuxième TD. Donc j'ai passé toute la journée de hier à faire ce diapo que j'ai torché en 1 heure, top chrono. Un TD qui est normalement fait en 2 heures. Donc je regarde juste des questions, il n'y en a pas. Donc voilà, il y a 14 spectateurs simultanés. Donc pour les 14 personnes qui sont là, j'aimerais juste avoir un petit retour dans le chat, on va pouvoir discuter un petit peu. Est-ce que vous avez des questions?
jusque-là. Est-ce que c'est clair? Si vous n'avez pas de questions, dites non pour que je sache que vous écoutez au moins. Est-ce que vous avez des questions? Non, non. C'était très clair. Je vous remercie. Là, je vois qu'il y a 14 personnes. Merci pour ce live. Non, c'était clair. Merci beaucoup en tout cas pour vos retours. Par contre, il y a 14 personnes qui sont là. Je vous cache pas que en rédaction de thèse, ça prend beaucoup de temps de préparer ces diapos parce que j'ai déjà écrit les corrections sous format PDF classique, format linéaire. Et écrire les diapos, ça prend énormément de temps. Vous n'avez pas idée. Donc voilà, si ça vous sert vraiment à quelque chose ou si ça vous suffit le PDF, vous me dites. Si ça vous sert vraiment à quelque chose le live, on peut rester au live, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression qu'avec seulement 16 personnes qui regardent, je doute un petit peu que ça serve vraiment au plus grand nombre. Il y a juste 16 personnes qui regardent. Donc j'aimerais juste avoir votre avis. Est-ce que pour vous, un PDF, ça suffit ou est-ce qu'il faut continuer les lives? Ouais. Ok. Mais en fait, parce que là, je reçois. Le live est mieux, ok. Beaucoup sont en cours et regardent nos rediffs. Ok. D'accord, ça marche. Ouais. Ben, en fait, vu qu'on discute, j'ai compris grand-chose en disant je te PDF. Le live, c'est bien mieux. Ok, bon, ben, on va rester sur le live alors. Alors, soit on reste sur un live classique. C'est-à-dire un live qu'on est en train de faire maintenant où je discute et puis si vous avez des questions, voilà. Ou sinon, j'essaye un petit peu de. Je vais essayer de changer pour uploader la vidéo en amont parce que si vous n'avez pas de questions ou si ça va comme ça, il faudrait peut-être faire les lives pendant les heures de CM. Il faudrait demander à Monsieur Fumon de faire ça. Donc, je lui proposerai. Ou vous pouvez envoyer lui un mail et puis il fera ça. Si vous êtes à plusieurs à lui demander un live comme ça sur YouTube, je pense qu'il va le faire. Mais je crois qu'il n'a pas une très bonne correction. Bon, connexion. J'ai pas dit correction, j'ai dit connexion. Donc voilà. Donc on va clôturer ce live. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Ouais, il n'a pas de connexion. Ouais, c'est ce que. Donc, merci d'être venus aussi nombreux. Et ben, révisez bien, bon courage pour la suite. Ça va être très compliqué pour vous. J'ose même pas imaginer dans quel état de stress vous devez être pour suivre vos cours sur PC. Je pourrais clairement pas. Donc voilà, je retourne à ma thèse. Bonne journée à tous et à bientôt. Allez, ciao, ciao.